Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Ever Pretty. Je vous ai déjà fait une première vidéo avec des robes de soirée, des robes de cocktail, etc. ou de cérémonie pour les mariages, je vous la remets en fichier, vous l'aviez pas vu. Et je me suis dit, j'ai vu, il y avait une section robes de mariée. Je me suis dit, pourquoi pas tester les robes de mariée parce que en plus size, ça coûte un bras de se faire faire une robe sur mesure. Moi, je me suis mariée il y a 20 ans. Voilà, on a 20 ans de mariage. J'ai fait ma robe sur mesure. J'étais déjà rondouillette, moins qu'aujourd'hui parce que voilà, j'ai eu des traitements médicaux, etc. Et j'étais déjà rondouillette. On avait fait faire la robe sur mesure. C'est mes parents qui avaient payé. La robe nous avait coûté un bras. Voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et en même temps, pour, voilà, si vous voulez vous marier, vous voulez pas y mettre cher. En plus, avec le Covid en ce moment, ben, on peut pas se marier comme on le voudrait, mais quand même avoir une jolie robe pour aller à la mairie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester ce site-là dans ce sens-là. Deuxième chose que je voulais tester ce site, c'est les robes de mariée. Il y a Halloween qui arrive. Donc, moi, je ne le fête pas. Mais si vous cherchez un costume, par exemple, de robe de mariée, que vous voulez tacher de sang, etc., sans, voilà, parce que les robes de mariée, ça coûte une blinde, eh bien, voilà, ça peut être... pour un costume, ça peut être sympa aussi pour un costume, voilà. Donc vous pouvez en faire deux modes d'emploi. Donc j'ai choisi trois robes, un petit peu dans des styles différents. J'ai pris, donc je vais déjà vous présenter la première. J'ai pris, je crois, toutes les mêmes tailles, il me semble. J'ai pris quoi en taille? J'ai pris une taille 56. Donc c'est en taille 24 US, c'est une marque asiatique, hein, c'est fabriqué en Chine, Ever Pretty. Vous recevez, alors la première que j'ai choisie, bon, j'ai un soutien-gorge noir, j'aurais pu mettre un soutien-gorge blanc. La première que j'ai choisie, c'est celle-ci, avec un empiècement ici, j'ai en façon bustier, et le reste tout en dentelle, vous voyez. Ici, on a quelque chose d'assez gaufré sur l'arrière. On a quelque chose en voile et on a de quoi faire un nœud sur le devant. Et le décolleté à l'arrière est en pointe, en V. Donc, elle est très jolie. Donc, comme les autres, hein, pour moi, c'est beaucoup trop long. Donc, c'est des choses qui sont à retoucher. Mais voilà, si vous n'avez que à payer la petite retouche, bah, franchement, c'est très sympa. Donc, je voulais pas. La première, le décolleté est très joli. J'aurais pu prendre aisément une taille en dessous parce qu'elle est un peu grande. J'aurais pu prendre une 54 sans problème. Donc là, j'ai pas mis de soutien-gorge parce que sinon, je vois pas l'intérêt. Mais avec un soutien-gorge bustier, le dos est très joli au niveau de la pointe. Là, c'est très, très joli. Voilà, au niveau du dos. On a ce petit nœud ici. On a ce petit nœud ici. Donc, à voir ce que ça donne. Au niveau de la longueur, bon, bien entendu, c'est vraiment très long. Mais elle est très jolie. On a un nœud ici avec un drapé. C'est très joli, mais je pense que j'aurais pu prendre aisément. Donc, j'ai un slip noir, désolé. Mais au niveau de la longueur, bon, bah, elle est trop longue. Au niveau de la longueur, elle est très longue, mais voilà, je trouve que c'est quand même sympa. Ce gaufret-là ne m'avantage pas, mais franchement, elle est très jolie, très très jolie. Elle est très légère. Le décolleté, comme je vous l'ai dit, est un peu grand. Je pense qu'il aurait fallu que je prenne une taille en dessous. Voilà, parce que voilà, ça flotte un peu ici, ça flotte un petit peu là, aussi là. Donc, je pense qu'une taille en dessous aurait été parfaite, mais très, très jolie robe. On va passer à la seconde. Donc, celle-ci est complètement différente. Elle est avec la même genre de dentelle, mais beaucoup plus épaisse, vous voyez. Elle est complètement doublée au niveau du là. Elle a des manches... Hop là, ça glisse sur mon cintre. Elle a des manches un peu plus longues, vous voyez. Elles descendent beaucoup plus les manches. Elle est fermée par une fermeture éclair sur l'arrière avec un... J'arrive pas à la mettre sur le sein, ça glisse. Avec un col V comme ceci. Elle a un liseré ici un petit peu en satin. Elle est coquée celle-ci. Et pareil, donc je vous la passe. Donc la seconde qui est très jolie au niveau du décolleté, elle est rembourrée ici. Donc j'ai toujours pas de soutien-gorge. Donc voilà. C'est encore un petit peu grand ici, je pense que j'aurais pu prendre aussi une taille en dessous. Au niveau des manches, les manches sont beaucoup plus longues que la précédente. On a le liseré ici qui est en genre de satin. On a toujours pareil avec le format voile. Donc au niveau longueur, c'est pareil, il faudrait des retouches. Mais elle est très très jolie également.
très très joli également. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le dos est très très joli avec un dos plongeant comme ceci. C'est très joli également. Très très beau. Je ne sais pas s'il y a un code promo. Si c'est le cas, je vous mets en barre d'infos. Mais franchement, vraiment très très joli. Et la dernière. Et la dernière. Qui cette fois-ci est complètement différente. Elle est toute en dentelle. Elle est en dentelle, tout en dentelle comme ceci. Je vais essayer de m'approcher qu'on voit quelque chose. Voilà, elle est toute en dentelle comme ça, d'un bout à l'autre. Elle est beaucoup plus près du corps. Elle a des manches sans, elle est sans manches avec un genre col débardeur. Elle a un joli décolleté ici avec, où voilà, vous voyez rien. Elle est coquée également. Elle est fermée aussi par une fermeture éclair à l'arrière. Bon, j'enlève pas les fermetures. Elle a un col V. Elle est très, très jolie celle-ci. Magnifique, magnifique. Même celle-ci, je pense qu'elle pourrait être pour une soirée cocktail. Franchement, très, très jolie. Donc, je vous passe celle-ci. Et la dernière qui est magnifique. Comme je vous l'ai dit, elle est somptueuse. Malheureusement, trop grande. Les coques, moi, ne vont pas où il faut, en fait. Ça devrait être beaucoup plus haut. Donc, moi, les coques sont là et mes nénés sont là. Voilà. Même si je remonte les nénés, voilà. C'est beaucoup trop grand au niveau du bustier. Donc, il fallait que je prenne une taille en dessous. Par contre, c'est très joli. Elle est très, très lourde. Elle est quali. Enfin, je trouve qu'elle est très qualitative. Ça, c'est très joli. Au niveau du dos, c'est pareil. C'est très, très beau. La dentelle est magnifique. Et franchement, je trouve que... retouchée, je pense que c'est celle-ci. Si elle était à la bonne taille et retouchée, je pense que c'est celle-ci qui retiendrait mon attention pour me remarier, par exemple. De garder un petit peu de la longueur sur l'arrière pour la traîne. Elle est vraiment très jolie. Je vous montre l'arrière. Vous voyez, je trouve que c'est celle-ci qui me met le plus en valeur. Et de garder un petit peu de longueur pour la traîne à l'arrière, je trouve que c'est celle-ci vraiment qui est le plus joli, qui me sied le plus. J'ai l'impression que les coupes droites sont beaucoup plus jolies. Bon, le bustier est trop grand. Après, ça, je pense que je pourrais refaire retoucher les manches et ici. Mais, et de refaire peut-être resserrer un peu le bustier. Voilà, que ce soit un peu plus serré. Parce que là, au niveau de là, c'est bon. Mais franchement, elles sont magnifiques. Très, très jolies robes. Donc, voilà, si vous cherchez des petites robes, des robes de mariée, donc, voilà, je vous l'ai dit, les coques, elles sont pas où il faut. Alors, j'ai pas assez de poitrine pour. Mais je pense que j'aurais dû prendre une taille en dessous. Bah, pour toutes les trois robes, j'aurais dû prendre une taille en dessous. Au lieu de prendre du 56, j'aurais dû prendre un 54. Voilà. Donc, puisque j'avais pris les 56, les autres robes en 56, je me suis dit, je vais prendre les mêmes robes. Vraiment, celle-ci est très jolie. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà, sous les robes de mariage, je crois que j'en ai jamais présenté sur ma chaîne. Donc, voilà, ça permet de varier un peu les plaisirs, on va dire. Et jamais je n'aurais pensé présenter des robes de mariée sur ma chaîne. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets le lien du site et des robes. Et si il y a un code promo, je vous mets également en bas d'infos. Voilà, je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.